أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الله عز وجل nous dit dans le Coran al-Karim, et c'est un verset qui vient nous donner du courage. Parce que le musulman est courageux, parce que la musulmane est courageuse, parce que le musulman est prêt à être un gharib, un étranger dans cette vie d'ici-bas, pour être un familier d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal nous dit, « يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَا الْكَافِرُونَ » Allahu Akbar. Ce qui signifie, ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah Azza wa Jal, alors qu'Allah parachèvera, accomplira sa lumière en dépit de l'aversion de certains, en tout cas de certains non-musulmans. Un verset qui nous redonne de la force, un verset qui nous montre que la victoire ne s'obtient qu'à travers l'obéissance à notre Seigneur et qu'à travers la victoire du dîn, pas la victoire de ta personne, pas la victoire de ta capacité à parler sur les plateaux ou pas sur les plateaux, ton rapprochement d'Allah Azza wa Jalla. Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah. Comment les choses sont présentées ici, on se rend compte en fait finalement qu'ils n'ont aucune chance. Mais eux, dans l'illusion, ils pensent qu'ils ont une chance. Vous savez, souvent, par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, on se dit, c'est très difficile, on a des politiques islamophobes, on a des médias qui sont sans arrêt en train de nous salir. Mais mes frères et sœurs, il n'y a jamais eu autant de conversions à l'islam. C'est-à-dire que, mais wallah, ils doivent être dans le désespoir. Les injustes là. Ils mettent des millions et des millions et des millions. Ils ne cessent de nous dénigrer. Ils ne cessent de tenter de nous éloigner de notre dîn. Et malgré cela, on résiste. Ne vous inquiétez pas, il y aura toujours des bonhommes, des hommes. Il y a parmi les croyants des véritables hommes. Et ici, en vérité, c'est avec un grand H. Hein. Aussi, les femmes qui se tiennent à leur dîn, mashallah, elles en font partie. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, des petites bouches comme ça. Face à la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nourun ala nour. Allah azza wa jal, c'est la lumière sur la lumière. Yahdillahu li nourihi man yasha. Allah azza wa jal guide à sa lumière qui il veut. Nous avons des créatures qui tentent de détruire l'islam. Et d'autre part, nous avons le Seigneur de ces créatures qui défend l'islam dans les cœurs des croyants. Moi, je te pose une question, mon frère. Je vous pose une question, ma sœur. Tu veux faire partie de quel bord ? Il y a trois bords. Trois. Il n'y a pas quatre, pas trois. Ceux qui vont suivre les traîtres, qu'Allah nous préserve. Ceux qui vont s'opposer aux traîtres, qu'Allah fasse de nous des hommes et des femmes qui en font partie. Et ceux qui vont rester spectateurs. Comme ça, en spectateur. Mais qui voudraient avoir la récompense de ceux qui vont combattre les traîtres. Ça ne marche pas comme ça. On doit avoir un din d'homme avec un grand H, ya Rabbal Alamin. Et subhanallah, ne déshonorons pas l'héritage de nos ancêtres qui ont su faire, qui ont su résister, qui ont su donner. Même quand ils étaient pour certains traités comme des moins que rien, ils ont su garder de la izza. C'était des pères de famille, tabarakallah, des mères de famille, tabarakallah, pour leur dîn et par leur dîn, ya Rabbal Alamin. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, mais Allah Azza wa Jal va accomplir, parachever sa lumière. Ça, c'est une promesse divine. Est-ce que tu vas faire partie de ceux qui vont faire partie des causes qui vont parachever la lumière d'Allah ? T'en es où dans la da'wa ? T'en es où dans l'appel à Allah, subhanahu wa ta'ala ? T'en es où dans l'apprentissage ? Et je ne te parle pas de partager un petit post sur Insta, TikTok ou Facebook. Le monde réel, mon frère. Parce que le monde de l'obéissance, il est réel et le monde de la désobéissance, il est réel. Tu en es où ? Tu veux faire partie de ceux qui seront du côté d'Allah, azza wa jal, qui va accomplir sa lumière. Ça, c'est une promesse divine. Et en plus, ensuite, il nous parle, à la fin du verset, subhanahu wa ta'ala, de ceux qui sont opposés à ça. « Walau kariha al-kafirun »
Et même ceux qui se cachent à eux-mêmes la vérité, même s'ils détestent cela, ils peuvent avoir tous les millions qu'ils veulent. Nous, on a une chose qui s'appelle l'Iman. On a « La ilaha illallah, Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ». Et le tout enveloppé par la izza, par la puissance de nos personnes à travers le dîn d'Allah, le tout symbolisé par « Allahu Akbar ». Qu'Allah mette « Allahu Akbar » dans nos cœurs, dans nos paroles et dans nos actes. « Ya Rabbal Alamin ». نسأل الله عز وجل أن يبارك في علمنا جميعا يا رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب